Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre live de cet après-midi sur FF10. On est dans les vestiaires de Luca avec les Bezaïdes et là on doit aller avec Yuna et Kimari pour retrouver Aaron. Hey! Les Albed qui parlent Albed, on comprend que dalle. Some Albed saved me the other day and... Nice. This girl Riku gave me food and you don't understand me, do you? Tu comprends pas, mec. Oui, font genre. Anyway. Son, c'est eux. C'est eux qu'on doit jouer après au Blitzborn. Oh, and as for bonsoir the first game, aux quatre viewers actuels. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à parler dans le chat pour rendre cela un peu plus convivial. Là, on est dans une grande ville, première grande ville qu'on voit dans ce jeu après Zanarkand, Luca. Je propose qu'on aille un peu visiter, peut-être pour trouver des objets, pourquoi pas des manuels de Albert. Toujours, on en revient toujours à ça, hein, les manuels Albert. On veut comprendre ces créatures, si j'ose dire. Tu vois, je crois que plus tard, on pourra le recruter, ce Ronso. Pourrait être intéressant de prendre un Ronso dans l'équipe, vous verrez pourquoi, ils ont pas mal de résistance. Pour résister aux tacles, ça peut être pas mal. Y'a rien ici. Haha, deux petits coffres, mon gars. Eh ouais, on me baisse pas, moi. Sphère magie. Et une serre HP. C'est pas dégueu ça en vrai. En plus Bill il a pas beaucoup de PV donc... mettre une spell... serre HP ouais. Faut la mettre là. On prend un peu de vie en plus. Déplacer. On va se mettre... On va se mettre là pour chercher... oui. On voulait chercher cette compétence là qui était... je crois mutavite, voilà. En gros tout ce qui est mutavite, mutacomp, muta force, mutamag. Si on fait ça sur un mob, il va lâcher une sphère de la même... en gros mutavite, il va lâcher une sphère d'agilité. Donc pour farmer nos sphères, c'est le pied total. Vous voyez bien, là on a à nouveau plus aucune sphère de... d'agilité quoi. Alors Kimari, prends-toi encore un peu de vie mon grand. Nice. Et Yuna, on va pouvoir la placer ici. Et on peut mettre une sphère de magie. Créer un peu plus de magie. Bien sûr. C'est dans le nom, tout est dans le texte. C'est comme le port salut. C'est écrit dessus. Ok, donc ça c'est fait. Ici il n'y a pas plus. Il y a deux coffres. C'est pas dégueu. Bien tout fouillé. On n'est pas à l'abri de trouver un truc dans un petit recoin. Continuez par là une fois, voir ce qu'on peut trouver. Pas grand chose, non, nada, tout niette. Là il y a des bois d'eau. Ah c'était le bateau de Mr. Miskaz hein. Ouais donc, ouais ça doit être ça. Il n'y a que dalle ici non plus. Ici non plus, il n'y a rien du tout. Alors on continue, hein. On continue l'exploration de la ville.
de souvenir, sur un des quais, il y avait un livre. Un livre des Albed, mais j'en suis plus très très sûr maintenant. Ouais. Ah, là, il y a un coffre déjà. Que de Phoenix, nice. C'est quoi, vas-y, on prend le bâton, on se casse d'ici. On laisse tout tomber. On retourne à Belzaïd. Ah, il y a le match qui commence entre les Belzaïd Aurochs et les Albed. Fuck it. Eh ben on sera pas là pour le match. Hein. Ah, encore un coffre par ici. 600 kills. La tunasse. Y'a que ça de toute façon. Lance des eaux. Pas mal ça. Ça a le bête ça, non? Je comprends rien à ce que tu racontes, mon gars. Y'a Owaka ici. Bon, on a fait le tour, hein, on a pas trouvé grand chose. Hein. Elle veut quoi, elle? Nana, blablabla. Ouais. En gros, elle veut rien, quoi. Bon, on se casse. Tant pis. Au pire, les manuels. Putain. Quand on aura l'airship, on pourra revenir dans les zones et on pourra aller les chercher nous-mêmes. Ah, t'es fatigué toi, le mec il faut un, il est crevé, quoi, je te jure. You, Yuna! I'm sorry, please let me through. Hey, let's go. Ah, ça y est, ça jase. Regardez-moi ça. Pas paradis de merde. I hope we don't get separated. Yuna. Huh? Ouais, le mec il s'y fout une meuf tranquille. Il est sûr, le mec. We do this to cheer on Blitz players. You try it too. Put your fingers in your mouth like this. Like this? Not like that. This. Then you just blow. Et ben moi je suis exactement comme Yuna, j'arrive pas du tout à faire comme ça. Practice. Okay. Now, hey, use that if we get separated. Then I'll come running, okay? Well, guess we should just stick together then. Till you can do it. Yes, sir. T'es le mec, c'est un forceur de ouf, je te jure. Y'a quoi par là? Là ça va être l'hôtel spécial pour le maître ça. Même pas. Oula, on est où là? Bienvenue à l'opéra de Lucas, désirez-vous vous rendre au grand hall. Ouais, non. D'abord je fouille ici, c'est pas quelque chose qui traîne au sol. Y'a rien du tout. Me direz-vous dont j'ai quelques souvenirs dans des mémosphères? Bah pourquoi pas. Alors fermez les yeux et concentrez-vous.
Donc combien d'atmosphères vous pouvez enregistrer? Voilà, ça en fait 15. Bah, mais ça coûte trop cher. Au revoir. Vas-y, moi je vais aller au hall. Ouais. J'ai jamais allé ici, moi. Mettre une mémosphère, mais j'en ai pas. J'en ai pas, baby. Je sais même pas à quoi ça sert, ça. En vrai, j'ai jamais fait ça. C'est quoi? Attends, je vais voir une fois. C'est quoi une mémosphère? Son espèce qui permet de ressusciter des images de votre passé. Lorsqu'ils font rester, qui sont assez fortement imprimés dans votre mémoire. D'accord. D'accord. Bah, je peux en prendre une. J'en veux juste une en fait. Je vais en prendre. Juste une. Une. Ça coûte combien une? Ah, ça coûte si cher que ça. Une, c'est 5000 guilds. Mais je sais pas. Ah, les voleurs. Eh, je me casse. Eh, les gars, c'est des rapiages, je te jure. Les mecs, c'est des électriciens, quoi. Ah, c'est des malades, je te jure. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est bon, je suis pas un pigeon, hein. Bon allez, on avance dans cette histoire là, sinon on va rester coincé ici et je vais m'énerver, moi. Allez, voilà que ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Voilà, on arrive sur la grande place. Wow, this is a pretty big town. Luca is the second largest city in Spira. I thought every town was little, you know, like Bisade and Kilika. Donc, ville numéro 2, donc, ok. Towns don't usually get bigger than that. Because when a lot of people start to gather. Yes. Sin? Hmm. Ah, toujours Sin. What about Luca? Partout, it's safe here? C'est comme Hera dans la série Hercule. It's not any different, but the stadium is here. The Crusaders fight to protect it. À la fin, ça serait bien un putain de running gag. They protect the stadium. D'ailleurs, cette série, franchement, Blitzball pour ceux qui n'ont pas encore really vu, foncez. That we have. Foncez comme des chacals. Spira's a little short on fun these days. Whoa. Talk about pressure. That's right. Is Xanarkand like this too? C'était quand même vachement plus grand. Hmm. En vrai. Well, there are more buildings, all tall ones, and cramped together. Oh. They must be so tall. Don't you ever get dizzy? Pas plus que ça, ça va. Let's go in Sir Oren. Le mec qui se moque d'elle, quoi. Impoli. Bah, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'écran vert parce que j'ai eu ça avant. Et j'ai pas envie que ça m'arrive de nouveau. Maintenant, allons chercher Sir Oren. Bonjour! Acheter de l'équipement. Ah! Non. Non. Une balle de cuir. Pas mal ça, une balle de cuir. Je prends. Mog Intello. Je prends. Halbarde. Halbarde, je prends. Merde, je vais m'en équiper. Non, ça je vais pas prendre. Moi je vais rester avec les. Avec les grenades. Les équipements qui me donnent plus de vie. Mais Kimari Rancer, on va lui mettre
sa petite halbarde. Voilà. Ça, je pourrais vendre un petit peu. On va vendre. Vendre le calcite, c'est cité, on vend la lance des os, ça m'intéresse pas. Ça, je vais la vendre aussi. Et la balle option, pareil. Le mode qui dégage. Ok, là on est bon. Là on est bon. Qu'est-ce qu'il y a par ici encore? Ah, là-bas on ira plus tard. On ira plus tard là-bas, c'est pour quitter la ville. Nous on veut trouver Aurum. Ah bah il est pas là hein. Auron's not here. On a peut-être trop traîné. Elle va interroger les gens. Pour l'instant, nous, bah, on fait rien. Parce qu'on est un personnage de jeu vidéo. Why not talk, Kimari? Ah. Not see Yenke for 10 years. Say something. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ranzo. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Mais laissez-nous tranquille, bande de boulis. Kimari forget Ranzo friends? We taught you much at time of Hornmold. Biran taught Kimari to be strong, Ranzo. Maybe taught too much. Take him on. Oh! Qu'est-ce qu'il lui a mis, mon gars? Take it outside. The tournament's starting, you hear? That's the game. Today, on this glorious day, players from all over Spira have assembled here. Excellent. To participate in this great contest of bravery, skill and strength. All of these fine teams, equally renowned, deserve to win the cup today. Le vrai, le John Doe. Such is the nature of this contest. Let us, the spectators, play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may Yevon be with you. Putain, on loupe le match. Ah, cinématique. C'est les enfants qui vont être contents, John. Le match va débuter. Albert contre les Bezaïd Arak. Et bien sûr, nous, on n'est pas là pour jouer le match. Voilà. On est baisé. C'est un business à se faire, mec. Kimari, Yuna's gone. Elle m'a
manette qui se dégo comme ça toute seule. Merci. Super manette. Allez, il faut qu'on trouve Yuna. Where in Spira have you been? Huh? On se battait Yuna's contre deux gros chats. Al-Bed ça arrive. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. What? If they're only blitzball players, I doubt they'd do anything drastic. But we shouldn't take chances. Let's go get her. I'm going too. This will be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they needed to. I mean, how good a team can they be? Waka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Al-Bed boat is in Dock 4. Let's go. Eh, c'est, là, mec, c'est même plus bio, c'est au-dessus. Là, c'est la bouffe spéciale vegan, celle-là. Bon, allez, go, quai numéro 4. Allez, casser la gueule de ces Al-Bed. Ils avaient qu'à parler de notre langue. Non, petite sauvegarde quand même. Si jamais que le jeu il crache. Mon cher Owaka, il est là, son forêt. Mec, il nous soutient du fric et après il casse les couilles. Ah, du fight, enfin un petit peu d'action. Wow, what are they? Ancient machina salvaged by the Al-Bed. They are mostly vulnerable to lightning. Et on sait à quel point c'est facile de te lécher le trou, John Doe. C'est pas toi qui allais dire non. Tu vas pas me faire croire ça, quoi. Non, on sait que c'est des machines, normalement les machines sont faites à la foudre. Hein. Ça, on me la fait pas, moi. Ça dégage. Trop facile. Allez, on recule. Ça résiste. Hein. Assez faible. Attends, je vais vérifier un truc. Je fais comme ça. Tu m'entends mieux là? Combat assez facile, on va pas se le cacher. Nickel. J'aime quand tu me dis que c'est parfait, John. Encore des machines. Alors déjà, ah ouais, ça se passe pas mal. Muta vite. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sphères d'agilité, donc vaut mieux en faire. Mais niveau du son et son du jeu et de la voix, c'est parfait. Je te fais confiance, mon grand. Pas le poids face à nous, foutue machine. Voilà qui m'arrive, débarrasse-moi de lui. Parfait. Bâton des eaux, ça mon gars, ça part à la vente direct après. Moi ce qui me bute c'est que t'as des machines tueuses qui se promènent en ville, à part nous, ça inquiète personne. Mais c'est tout à fait normal, monsieur dame. Merde, je pensais que Kimari, il avait fait un petit crit, et que dalle, ouais. Non, en vrai, sans le lu, on galérait tellement à les battre, quoi.
Ok, ben ça marche. Merci John. Bon, pareil, on va attaquer tranquillement. Lulu, elle va en one-shotter un comme d'hab. C'est les mecs qui essaient de nous embrocher. C'est la gigot d'agneau. C'est comme ça qu'on tape une machine avec un petit ours. Au poil Chantal. Ah ton gros chibros, s'il pouvait rester loin de moi ça m'arrangerait. Non, non, pas brasier, ça sert à rien. Foudre. Leur trou le cul. J'ai un peu baissé le son parce que dans mes oreilles c'est babiche did. Voilà, comme ça c'est mieux. Comme ça c'est bien mieux pour moi. Muta vite. Allez, il faut en finir là. Oh franchement John, non pas spécialement, pas spécialement, non je te jure que non. Je préférais une autre partie mais plus du côté féminin si tu vois ce que je veux dire. The Aurochs are keeping the score tied with some excellent defense, folks. 2-2. La tension est à son paroxysme. Le Rockmoot qui récupère le ballon. Il se fait rusher par 4 par 3 bonhommes, c'est incroyable. But the referee doesn't call the foul. Wack is taking a real beating out there. Sinon vous verrez que quand nous on jouera avec, y a jamais de faute dans ce putain de jeu quoi. Still in there. Je veux juste pas me l'avouer. Non, 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 non. C'est mal me connaître ça monsieur. C'est mal me connaître. Mais je veux jouer au blitzball moi. Je vous jure, je suis trop habitué au blitz. Plus le premier match, on n'aura pas toutes nos chances parce qu'on contrôlera pas vraiment comme on veut quoi. Ça va être compliqué. Ouais, mais en fait, non, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. En fait, si je l'agrandis trop, après il dépasse de l'écran et ça rend moins bien avec l'overlay. C'est sûr que si tu regardes sur le téléphone, c'est petit quoi. Là mec, on se croirait dans Metal Gear Solid quoi. Dans le milieu lui, on l'appelle le décapeur. Gru. Come on, move. It's probably out of power. Bah sur PC tu verras que ça rend plutôt bien. Bah avec Kimari on va juste attaquer la machine. Avec Loulou, on va essayer de charger la grue en fait. La grue a réagi, nice. Si tu peux essayer sur un PC, vraiment test, tu verras, ça marche plutôt bien. On va faire, on va encourager pour augmenter un peu la défense du groupe. Bon, Kimari, lui, il va vraiment rusher, lui, il va que rusher l'attaque, hein. Purement attaque, attaque, attaque. Elle, toujours pareil, on va charger de la grue. Quand elle aura démarré, avec Tidus, enfin avec Smil, pardon, on va utiliser la grue pour attaquer le boss. Enfin, je dis Tidus parce que normalement, son vrai nom c'est Tidus, mais nous on l'a appelé Smil quoi. Ouh, le crit, le gros crit à 504 là. Merde, balle c'est cité, fuck. Kimari il est aveuglé mais bon. Tant pis.
Allez, démarre, salope. Mais tu vas démarrer, oui. Ça y est, je crois que c'est bon. Non? Ah, si. Good. Oh là là, la grue elle est ultra bordée. Allez, prends ça, salopard! Plus de tête! Ça dégage! Il a pris extrêmement cher le mec! J'ai pas un petit collier pour lui? Ah, j'ai pas de collier! Merde! Bah bonne nuit John, merci d'être passé. Repose-toi bien, mate-toi une bonne épisode de CIA, fais-toi une petite verveine de lavande et tout ira bien. Putain, j'ai pas de collier. Ah, j'aurais dû en acheter, je suis con. Ah oui, maintenant il loupe, c'est clair qu'il loupe maintenant. Putain. Ah bon, on va booster Lulu hein, toujours. Ah bon, on l'a eu, c'est bon. Oh, on l'a enculé le boss. Ah, un défouaillage en bonne et due forme. Il a pas fait un pli le boss mon pote. Ah et Yuna, elle s'est débarrassée des boys quoi. Ba-ba-da. Victoire. T'inquiète mec, ça va le faire. Ciao boy. Bague d'acier et un petit élixir. Élixir c'est pas mal du tout. Normalement c'est vie et MP full. I hope you hurt them. A little. Ça ressemble pas mal au bateau avec qui on avait été repêché, hein, en vrai. What is it? There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same Mais ship. Mais c'est lui, hein. C'est clairement lui en vrai. But it's not. Ah si, c'est lui. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? Sid, ça me dit rien. I don't know. They were all speaking that Albed. Mais tu peux lui parler de Riku. I see. So who's Sid? He's my uncle. But I've never actually met him. Ah. Hmm. Wait. So that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side. Yes. Sid is my mother's brother. D'accord, donc he became elle est mi-Albed, distant quoi. After my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Huh. Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. C'est vrai. Whoa! I gotta tell Waka. I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! C'est vrai qu'il y avait un match. Qu'est-ce qu'elle fait? Il reste plus beaucoup de temps, il reste 30 secondes de match. Toujours 2-2 entre les Bayside Arak et les Albert. Full attaque là du côté des Bayside Arak. Waka qui est passé, Waka qui est passé. Le shoot. Victory. On est en finale. We won. Woo! We did it. We're in the finals. Not the most graceful win. Mais sois pas si méchante, Lulu. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me.
I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. elle est très très colère, hein. Elle est très très colère, cette Lulu, hein. Je te jure. Calme-toi, ma grande. Respire un coup, lâche une caisse, ça ira mieux, tu verras. Sur trois petits viewers. J'espère que vous passez une bonne soirée, malgré que vous ne parliez pas dans le chat. Après, je peux pêcher, c'est pas grave. On a tous nos petites habitudes, ça ne me dérange pas. Déjà que vous êtes présents, ça me fait extrêmement plaisir. Ah, Waka, il a pas l'air bien. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the Gores too. Ah, il a pris cher, Waka. Miss me? Lady Yuna, are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. Mais t'excuses pas. Pas ta faute, ma grande. How can you let some outbed kidnap you? Hey, let it go, alright? Don't go near outbed anymore, okay? They're trouble. Ok, c'est parti pour le match, je pense. On va affronter les Luka Gores. Ça va être compliqué, hein. Vous allez voir que l'équipe elle est vraiment pas tip top. Hein. L'équipe c'est. En gros, par rapport aux Gores, bah, je peux dire qu'ils sont tous meilleurs que nous. Ils sont tous meilleurs que nous, et on a aucun bonhomme qui est meilleur qu'eux. Et notre goal, vous allez voir que le goal il est vraiment à chier. Si un attaquant des Gores il arrive à tirer. Honnêtement, c'est presque un but. C'est quasiment un but, quoi. Et c'est pas ça pour déconner, c'est quasiment un but. Il tire, c'est quasiment but. Il va falloir réussir à tenir, ça va être hyper compliqué. Je crois que j'ai réussi à gagner une fois ou deux sur toutes les parties que j'ai faites. Au pire, après on perd, hein, c'est pas grave. The game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. Pire, je vais me garder right. Une partie de côté à ce niveau-là, comme ça, en off, je me referai le match en espérant le gagner pour avoir le succès sur le jeu. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah. Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. Mais putain non, Waka! All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz! Yeah! Là, ça va être compliqué. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. Elle l'a endormi ou quoi? Elle le veut pour elle. Elle le veut pour elle. Regardez-moi ça. You really gave it your all, didn't you? C'est mignon. All right, boys, what are we gonna do? Victory! For Captain Waka. Pour Waka. Allez, les gars. Ça... Allez, on va essayer. This is it, folks. In
just a few minutes, the championship game. Mes souvenirs sont ici. Waka, capitaine des Bezaïs de Rock. Allez, putain, on peut tenter de ramener la coupe de cristal. Première mi-temps, on n'aura aucune technique. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Et en deuxième mi-temps, on n'aura pas beaucoup de temps. En fait, Waka, il va finir par nous remplacer. The horrendously ill-fated Bezaïs Aurox. This looks like history in the making, Baba. Le v'là, Auron. C'est le moment de vérité pour ce match. Ça va être compliqué. Mais pas insurmontable. Faut essayer de se jouer plutôt de défensif, je pense. Après, en bref, sur une bonne passe, ça peut le faire. Hein. Mais vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus de vie que nous, ils sont... C'est compliqué. Oh mon dieu, c'est des péteux comme pas possible quoi. Allez moi ça. La provoque en veux-tu en voilà. They're already going at it, folks. The goers are taunting the Aurox. Peut-être on peut limite se prendre un bus sur l'engagement en vrai. C'est, je vous jure que c'est vrai. Mec, il peut la choper et clash, nous claquer le but, tu vois. C'est possible. Oh, Letty à la balle. Ah putain, on est en mode automatique, fait chier. Putain, on est en auto, quoi. Mais c'est de la merde, l'automatique, putain. Changer là. Ah si, c'est bon. Manuel A. On est normal. Oh putain. J'ai fait de la merde. Je vais essayer de déborder en bus. Et après je ferai une passe. Mais j'ai fait... Ouf, ça passe. On va l'envoyer à... Ah mais il y a Glab sur lui. On peut essayer de l'envoyer à Datto. On peut essayer. Hein. Yes, ça passe normalement. Ouais, c'est bon. Doran, c'est mort. Doran, elle nous l'apprend. Quoique... En vrai, on peut essayer de dribbler un petit peu. Hein. Ça passe. Fonce. Fonce, Datto, fonce. X. Glab. Ah, il faut qu'on le passe. Si on le passe, peut-être. Peut-être, j'ai bien peut-être qu'on peut pas marquer. Yes. Allez. Asmil. En vrai, il y a moyen que ça passe. On déborde Bagheera et on tire. Et on tire. On verra bien. Ah putain, mais sérieux, elle a 9, j'ai 10. Allez, on la chope. On la chope à 2. Allez, allez, allez. Elle tente une passe. Ah putain, on la touche pas. C'est une blague. Oui. Ouais, faut qu'on arrive à déborder Bagheera de nouveau. L'autre fois, elle a réussi à nous la choper directement, quoi, cette salope. Allez, là ça passe, putain, merde. C'était avant qu'il fallait que ça passe. Putain. Un Bota, tiens.
J'espère que ça passe. Je suis même pas sûr que ça passe. Ça passe pas. Putain. Hey, Pixon il est là. Non, c'est foutu. C'est foutu, ça va être but ça. Ça va être le but. J'annonce. But de Bixon. Allez, ça va être but ça. Ah oui, putain. Putain, sérieux. Il n'arrête jamais, il l'arrête la frappe. Eh oui. Putain. On avait bien joué le coup hein, sur la première action. C'était pas mal bien joué là. On n'a pas eu de chance sur Bagheera qui lui a chopé quoi. Salope. Je te jure. Grognasse de merde. Jamais on passe Glab. Jamais on passe Glab. Jamais de la vie on le passe. On essaie de la jouer à Jazou. Mais c'est même pas sûr que ça passe. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Allez. On la remet à Letty. Ouais, on la remet à Letty. Glab. Ouais, on va retenter une passe sur ouais sur Jazou. Allez, faut que ça passe, faut que ça passe. Bah putain, mais nique ta mère, il a 8, j'ai 10 en passe. Ah mais c'est ouf quoi. Ah, il va dribbler, bien sûr qu'il va dribbler. Quand je vous dis que c'est ouf quoi. Marquage, allez. Là c'est le but. Ça c'est le but, moi je vous le dis, ça c'est le but. Ça sent tellement le but. Allez, chopez-le, cet enculé. Il veut dribbler encore. Mais putain, mais il fait juste 6, on a 10. Putain, mais ils sont chatards du cul, mais c'est pas possible. Allez, ça fait 2-0, ça, c'est... Allez, putain, mais c'est pas possible, c'est une blague. Eh oui, putain, mais nique ta mère, tiens. Putain, mais... Quand nous on veut faire ça, ça marche pas, mais quand eux ils le font, c'est but quoi. Vas-y, je déborde Pixon et je dribble encore un petit peu. Faut essayer de mettre Schmil sur de bonnes bases en fait. J'ai débordé en plus et je vais faire une passe à Schmil. C'est au moins d'en mettre un. Si on fait 2-1, ça va encore. La première action, elle est tellement volée, quoi. Ah, mais jamais on passe, là. Jamais on passe. Jamais de la vie on passe, là. Ah, vas-y, c'est bon. Mais putain, mais c'est un truc de fou. Et eux, et ça passe à chaque fois, ça passe, quoi. C'est incroyable la chatte qu'ils ont quoi, c'est un truc de malade. And it's the Gorge are just playing great, bro. Ouais mon gars, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. En vrai tu peux rien faire, c'est de la folie quoi. Tu peux rien faire quoi, c'est... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mec? What about me? Get the ball, just shoot like crazy. Goers are going down. Yeah. Shoot like crazy. Down. On peut en mettre un, mais après, il faut qu'on récupère la balle et marquer un but avec Waka, quoi. Ça va être vraiment compliqué, moi je vous le dis. On va mettre le jet shout. Eux,
ils en ont pas. Donc, c'est vite fait quoi. Masmin il prend Bagarda, Dato il prend Doran, Letty il se met sur Glab, Jazu il se met sur Ambus et Potas sur Brixen. Ah mais je vous dis, un tir c'est un bulky pas, il est nul en hein. Il est nul en mourir. Le mec c'est le portier de l'OM. Ah putain, plus ceux qui prennent la balle, putain, laisse tomber. Même à 3, on l'arrête pas. Eh putain, il lui reste un. Tu peux pas lui enlever un de plus. Putain, ça va être 3-0 ça. C'est obligé. Là, c'est 3-0 mon gars. C'est 3-0 là. Putain, mais ça en peut plus. Mais c'est une catastrophe ce match. Mais laisse tomber quoi. Tu peux rien faire, rien. On se fait laminer mais comme pas possible. C'est un film de cul qu'on trouve notre gueule. L'autre il arrête que dalle. Mais putain sérieux, c'est les deux là. Jamais j'en passe un quoi. Oui, je vais tenter une passe sur Dato, il est pas loin. Gab il va cacher la prendre. Et voilà, mec il y a 9, j'ai 11, il va prendre directement. Vas-y, mais nique ta soeur. À un moment c'est quand même cheaté quoi, c'est pas possible. Il ne touche pas. Arrête là. Poteau quoi. Les poteaux et ça vient sur Ambus, mais c'est une blague. Oui, Jazu, oui. Oh putain, y a Glab. Mais il manquait plus qu'il y ait Glab, quoi, mais sérieux. Et voilà, mais oui, Glab il me l'apprend, c'est clair qu'il me l'apprend, Glab. Eh, ça part sur un 4-0 là, les gars. Je peux rien. Y'a rien qui passe de notre côté, y'a tout qui passe du leur. C'est un film de cul. C'est un film de cul. Tu peux rien faire. Les gars, ils sont invincibles. Tu peux pas les battre. Bon là, j'écris une voiture pour Smil, mais bon, ça va faire 4-1 peut-être, au pire. Vas-y, on va quand même lâcher le Jet Chao juste pour le fun, mais bon. Ça fera 4-1 quoi, on aura sauvé l'honneur quoi. Mais c'est ridicule quoi. On peut rien faire. Pourtant, on avait bien joué le coup, franchement au début du match c'était pas mal hein. Mais ils te piquent la balle d'une façon, mais c'est tellement facile pour eux. En vrai j'ai envie de recommencer le match en vrai. Spirits are fading quickly. Are they going down without a fight? En vrai pour la première mi-temps on aurait juste dû tourner en rond en fait. Je suis écœuré, je vous le dis tout de suite, hein. Je suis dégoûté à vie quoi. Everyone seems to be calling for Waka, folks.
Meyer c'est écœurant, c'est écœurant. He's leaving. Je suis sûr que tu peux gagner que avec du cul, parce que c'est pas possible autrement, quoi. Je suis désolé. Mais... Des fois t'as 11, eux ils ont 6, ils chopent la balle, quoi. C'est une blague. Là, il y a une scène épique, il y a même pas de suspense. To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. Y'a rien à faire en vrai. C'est juste écœurant quoi, tu peux rien faire. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. En fait, tout ce qu'il faut, c'est un putain, c'est juste un gardien, quoi, et pas un plot, quoi. Je suis en train de rager sa mère, mais ça m'énerve. Le jeu, ça me casse les couilles. Des chibros pareils, quoi, c'est bon, merde. Et en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait les éparpiller sur le terrain. Regardez là, on est peinard en fait là. Là on est tranquille, là on est vraiment tranquille. On attire eux sur nous, hop. Là on fait une passe à Dato. Dato il est tout seul. On déborde Bixon. On dribble. Et ça qu'il fallait faire, dès le début il fallait faire ça. Putain, j'ai fait de la merde. Mais sérieux, il l'arrête? Mais non, mais ça c'est de l'anti-jeu, c'est anti-sportif ça, monsieur l'arbitre. Putain, on joue bien les coups comme ça, c'est comme ça que vous nous remerciez. Allez, chope là mec. Voilà, bien joué Letty. Faut faire de la place pour Quaka, il peut y aller tout seul. On va déborder Bixon et on va essayer de la mettre sur Waka. Au pire, on fera peut-être 4-2. On verra bien. Allez, Waka. Même pas, le match, il va être fini avant qu'il tire. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini. Match de merde. Allez, dégage. Ça m'a gonflé. Vas-y, hop. Hey, attends, oust, ta merde. Vas-y, fuck it, non, franchement fuck it, le match je le refais. Fuck. Je m'en bats les couilles. Le match je le refais, merde, non c'est bon. Ça m'a gonflé. Perdre comme ça c'est chiant, en vrai je suis désolé mais c'est un truc de malade. On refait le match. Allez, on refait le match, je m'en fous. Pas grave si on saute un peu les cinématiques, c'est pas grave. Ah, je m'en fous. Je me laisse une seconde chance. Avec la technique là de où on tourne en rond, on les fait nager. Au pire, 5 minutes de première mi-temps où on fait rien, mon gars. On fait que dalle. En fait, il faut laisser un trou à Smil pour qu'il puisse tirer, quoi. Tirer à bout portant ou de pas trop loin, et peut-être que ça pourrait le faire. Je dis bien peut-être. Non, en vrai, moi je la veux, c'est cette coupe de cristal là.
Tant pis si on, voilà, on a un petit peu triché, on n'a pas gagné du premier coup. Alors, c'est pas grave, non? Allez, c'est parti. Allez, on parle avec Waka. La situation, c'est qu'on peut pas passer les cinématiques, donc je suis désolé, mais il va falloir se retaper tout ça. Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. Ouais, je suis prêt. Là, je suis remonté à bloc. Là, je suis vénère. I got something to tell you boys. After this game. Ah, je suis désolé les gars, mais. I'm retiring. Là, j'ai clairement la haine. Promise myself this will be my last tournament. Clairement la haine. Win or lose, I'm quitting Blitzball. C'est que des coups du sort qui te font que tu perds comme ça, c'est chiant, crevé quoi. Since we're here, we might as well win. Ah, merci pour le follow, Layton. I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Ah, j'ai eu un problème de capture. T'as raison, on recommence. Qu'il crève ses goers. Exactement, qu'il crève ses goers. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. J'ai un problème sur le retour du live, on dirait que ça a crashé. Non, c'est bon. C'est bon, ça a repris. C'est bon. J'ai rien dit. Alright, boys, what are we gonna do? Mais nous pourquoi? Se faire enculer! Captain Walker. Ne vous inquiétez pas, je vais pas recommencer trois fois. Mais c'est peut-être une technique. Bon, ouais, peut-être marcher. This is it, folks. In just a few. Pas passé, hein. C'est chiant ça par contre. Je suis désolé, là j'avoue que j'ai ragé. Mais j'avais besoin de recommencer ce match. Could have imagined a championship game between these two teams. Our legendary Luka Goers going against. Pour le rewind sur YouTube, je ferai un montage. Là, c'est le live. Le live, ça l'a fait. Oula, les boules, mon gars, les boules. Écuré à vie, quoi. Bande de bâtards, putain, je te jure. Je sais que ça va un peu écourter notre avancée dans l'histoire, mais j'ai besoin d'au moins réessayer. Au moins réessayer. Voir si je peux pas essayer de les enculer, ces putains de Luka Goers de merde. Ah, j'ai envie de les saigner à blanc. On va essayer la technique de tourner en rond pendant 5 minutes. En fait, il faudrait que la mi-temps il y ait 0-0 ou un truc comme ça. Il fallait pas qu'on perde 2-0 déjà à la mi-temps, quoi. On a fait 4-1, c'est pas, on s'est pris une grosse toulée, quoi. On s'est pris une sacrée douille, hein. They're already going at it, folks. The Goers are taunting the Aurochs. Et après qu'on aura accès au match de Blitzball, on en fera un par live, un ou deux par live maximum, quoi. C'est quand même assez long les matchs. Au pire, après, moi je pourrais me les faire en off, hein. Mais c'est utile pour débloquer des sphères spéciales ou des manuel A normal. Allez, là on les fait tourner en bourrique. Au pire, on enchaîne les passes en vrai, ça peut le faire aussi, hein.
Ouais, c'est Yasmine, il pourrait se décaler directement là. On va déborder en plus et on va dribbler. Normalement, en plus, il peut pas nous la prendre la balle. Hein. Allez, Smin, suis. Suis, Smin. Suis le mouvement. Monte. Peut-être un coup à jouer. En vrai, peut-être un coup à jouer. Est-ce que je suis trop gourmand? Il y a des chances. Il faut qu'on passe cette bagarre. On a 10 et la 9. Il faut que ça passe. Allez. Oui. Peut-être. C'est pas sûr. Putain, non, ça va passer. Et c'est Clap qui la récupère. Putain. Sérieux. Ah là, ça va être foutu. Hein. Allez, dessus, les gars. Dessus. Allez, tout le monde dessus, là. Il passe pas. Allez, les gars. Allez. Yes, allez. Non. Oui. Elle passe pas. La passe ne passe pas. C'est Dato qui l'a récupéré. Vraiment, il n'y a que Glab. On peut passer Glab. En vrai, on a 12, il y a 8. S'il prend la balle, c'est limite du vol, quoi. Merde, tac le Venom. Ah putain, les fils de pute, mais sérieux. Il fait une passe? Ah ouais, mais il y a Bigson à côté. Allez les gars, dessus, tous sur Bigson. Que 6 alors qu'il a 10. Oui, Jazou, oui. Fonce. Là, mon gars, on joue clairement la montre. Arrête-toi. J'ai vite envie de la jouer sur Letty, en fait. Non, sur Lual, l'autre là, qui est sur Bota, voilà. Bota. Il avance tout doucement. On met Smith dans les meilleures conditions possibles. Ouais, là ça va être chaud. C'est qui devant nous là? C'est Glab qui vient sur nous, je pense. C'est risqué, mais je prends le risque. Parce que Letty, il a quand même une bonne passe. Ah, y'a Bigson et Glab. Ah putain, c'est chaud. C'est chaud bouillant, quoi. Merde. Pas de forcing. On va faire une passe. On verra bien. On va essayer de mettre un Asmil. Allez, Glab, loupe-toi. Ouais, y'a moyen. Non. Ah, c'est bon, c'est bagarre à kid. Allez, tous sur bagarre. Allez. Allez, toi aussi, Jazou, viens. Voilà. Pas de forcing. Passe, ça passe. Normalement, ça passe pas. Ouais, c'est bon, ça. Voilà, bien joué, Letty. Letty, joue la montre. Letty, tranquille, tu joues la montre. Tu joues clairement la montre, là. Il reste une minute. Au pire, tu fais des allers-retours, on s'en fout. Voilà, aller-retour, voilà. Voilà, joue la montre. Il faut placer notre attaquant dans les meilleures conditions possibles. Allez hop, on arrête. Et on fait une passe à Bota, ouais. Normalement elle passe. Hein. Alors, on joue la montre. Voilà, allez. Là, ils peuvent pas nous choper. Fait la passe à Smil, le match il est fini, c'est la mi-temps. Mi-temps 0-0. And it's halftime. The Gores are just playing great, Baba. Le très grand jeu, il y a 0-0, connard. Smil, il a pris un niveau, Letty, il a pris un niveau. Il y a maintenant un peu plus de passes. Jazou, il a un peu plus de vie.
Moi je dis c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, il faut réussir à jouer la même technique, il a claqué un jet shout juste avant la minute 2:30. What about me? Get the ball and just shoot like crazy. Et après quand Waka il arrive, essaye de faire la même technique, essaye de passer Waka et faire un petit tir Venom. J'avoue que la première victoire elle a pas été fofolle hein. Mais bon les gars, on a essayé ce qu'on a pu hein. Franchement, c'est pas si mal ce qu'on a fait là. Après maintenant Smil il a le Jet Shout. Jet Shout ça écarte deux bonhommes. Même s'il y a deux bonhommes sur lui, on peut aller au but en fait. On peut aller au but là, donc là il faut envoyer du lourd là. Il faut envoyer du lourd là. Si les types pouvaient la réussir à la choper au début, ça serait énorme. C'est énorme. Et t'as Jazou qui nous a sorti le grand jeu, mon gars. Ah, le tag de Jazou là. Il a sauvé la mi-temps là. Non, il faut réussir à placer un tir. Un tir avec le Jack Chout. Ouais, nickel. Même technique. Même technique. On joue la montre, tranquillou. Tranquillou, pilou. On cherche à placer Smil dans les meilleures conditions, je vous rappelle. Ah, en plus on le passe. S'il fait un 7, c'est un K. C'est clairement du vol. Voilà. Allez Smil. Allez Smil, positionne-toi. Passe Smil. Après c'est un risque de marquer aussi vite, c'est un risque. C'est un risque j'avoue. Mais bon. En vrai s'il n'y avait pas eu Doran, j'aurais fait un tir direct. Mais on va faire pas de forcing, on va faire un jet shout. J'ai pas le jet shout. Ah si voilà, j'ai eu peur. Allez, doucement hein. Allez dégage ma grande. Une minute. Et 1-0, je suis bon pour les Bezaïd Orak. Allez, allez. Yes. Là, ça vaut le but. Là, ça vaut le but, mon pote. Bam, 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 bam. Il faut juste réussir à leur piquer la balle, en fait. Je rappelle qu'ils tirent, ils marquent. Voilà. Enfin, peut-être marquer un petit peu tôt. C'est vrai qu'on a peut-être marqué un petit peu tôt. Il va en passer deux et après, il fait un tir. Il a 9 en tir, tu vas pas dire qui la met au fond. Je me vends pas ça le jeu. Bien joué. Allez, 4, 3, 2, 1, 0. Mais poteau, t'es sérieux? C'est qui derrière moi? Y'a qui? Y'a juste Ambus. Ambus, on déborde. Et on fait une passe à Letty. Allez, Tiff qui est au centre. Les gars, y'a peut-être moyen d'en mettre un deuxième truc là, mais d'avoir pas tant de remonter sur nous là. Ça passe. Allez, Tiff. Allez, Letty. Letty, tu me passes Kixon. Et t'envoies une passe à Smil. Ouais, vas-y. Smil, fonce. Smil. Tu fonces. Faux spot. Un ou deux. Une seule. Si on passe Bagheera, il y a peut-être 2-0 les gars. Mais c'est pas vrai. Mais c'est de la chatte totale ça aussi. C'est incroyable. Ah là c'est de la chatte hein. Franchement. Glab. Vas-y au pire, je t'en chante une passe hein. Ouais Smil, ouais clairement. Allez ça passe. Allez déborde Bagheera et tire. On s'en fout. Et là elle fait un 6. Là elle se loupe, fallait qu'elle se loupe avant cette salope. Bon, pas, on mène à 0. Il reste 2 minutes. On est passé à un chouïa du 2-0.
J'espère qu'on va pas se mordre les doigts. Au pire, même technique, hein. On joue pute, on s'en bat les couilles. On joue clairement pute. Putain, on a putain à la fin la Bagheera, putain ça passait pas. Elle loupait son tacle, on faisait 2-0. À 2-0 c'était quasiment gagné en vrai. Parce que là imaginons ils égalisent avant la fin. Pas sûr qu'on puisse en placer un deuxième. Après, je crois que Waka il a plus de résistance que Smil. Là les gars c'est le suspense. Suspense inéo là. Putain, c'est passé un chouïa du 2-0. Aïe aïe aïe. En fait, c'est comme ça qu'on aurait dû jouer au premier match. Say, where is that player putain, going? Ça. Putain, on avait 11, elle avait 9. Elle a réussi à passer quoi. Salope. Et où c'est plus important, elle nous fait attaque de merde. Ah, elle a choisi son putain de tag cette connasse, hein, je te jure. Je te jure. To be honest, I did kind of feel left out. Allez. But it really was the Oryx. Si on gagne, ça aura valu le coup au moins de recommencer le match. En vrai les gars, je pense qu'il faut qu'on se joue salope hein. C'est con de prendre un risque en fin de match, vous voyez je veux dire. Je pense que si on la chope, on se casse en fait hein. On se casse avec des Cléty et on fait le tour en bas hein. En vrai Après si on arrive à lancer Waka, ça peut faire but aussi. Mais il faut qu'il n'y ait que un sur lui, si on a deux ça peut être chaud quand même. Parce que Waka il a un tir spécial. Waka a un chou spécial qui peut faire la diff. Allez les gars. Yes, Letty, tu sais quoi faire Letty. Tu sais quoi faire. Joue la montre au maximum. Positionne Waka comme il faut. Waka, tire-toi. Waka, fonce. Waka. Hey, on y va. Là mec en vrai c'est la passe à Waka là. Là mec c'est la passe à Waka, c'est obligé. Faut juste pas que l'autre il vienne sur nous hein. Faut tout de suite qu'on tire en vrai hein. On tire 9-11. La même qu'avant. Est-ce qu'elle va encore une fois nous enculer? Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai, mais c'est du cheaté! Mais c'est un truc de fou! La Bagheera, elle est cheatée! Elle est cheatée, la meuf! C'est ouf! Putain, hein, bon, faut arrêter! Bien joué, Letty! Letty la montre! Ah là, il est trop près! Il est trop près la glab. En fait il faut qu'on joue la montre là clairement. Y'a personne. Il faut jouer la montre. Désolé Waka mais je vais jouer la montre. On s'en fout, il faut juste qu'on gagne ce putain de match en fait. Allez Letty, ça passe. Oui Letty, oui. Et c'est gagné putain. 1-0. Film de cul. Putain. Film de boule. Merci les gars. À nous quatre. On les a enculés ces goals. Putain yes. Oh là là.
Oh les bâtards, je te jure. Ah, la capture qui fait des siennes. La connexion nous lâche, mais la victoire est à nous. Luca goes fuck you. Oh, à la rage elle est présente là. Mais elle fait plaisir cette victoire. On a dû se prendre à deux fois, mais c'est pas grave. On les a enculés, on a joué tellement on a joué anti-jeu, mais c'est pas grave. Bien joué Waka. Et Baga qui les a enculés deux fois, cette salope. Ah la grognasse de merde, je te jure. Ah ça fait plaisir, c'est plaisir. Attendez, je dois vérifier juste que mon son il est pas sauté. Non, tout se passe bien au niveau du son. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah d'accord. Je suis attaqué en plein dans le terrain de Blitzball. Et en plus, il y en a pas un quoi. Eh les gars, on est fatigué du match. On peut pas respirer un petit peu ou quoi? Tiens, salopard. Loupé. Toi aussi. Voilà, overkill. Vas-y, Waka, venge-toi. En gros, c'est nous qu'on a tous les achevé quoi. Ah, je suis vraiment désolé d'avoir rejoué le match, mais ça valait le coup quoi. Putain, on les a enfuis. Putain, salopard. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut pas laisser Waka triste quoi. Oh putain. Franchement ça mérite un petit follow les mecs hein. Jojo, j'ai vu que t'avais follow. Ça fait toujours plaisir mec. Le petit soutien pour refaire le match. Et ça, venez. Y'a plus un kick de peur maintenant. On a battu les Gorges nous monsieur. Ok, on a perdu 40 minutes de live pour faire deux fois le match, mais c'est pas grave. C'est la fin, il est là le win. Il est là le win, monsieur dame. Il est là. Allez, crève. La Waka, il manque pas grand chose pour one shot un de ces putains de poissons. Là. Allez, ça dégage. Ça dégage, mon gars. Bon, celui-là il est déjà amoché. On va le laisser à Waka. Et ça? Ah, c'était lui, hein, je crois. Ouais, c'était lui, je pense. Yes! Bien visé mon petit Waka. Avec Smilson on les one shot. Eh c'est loupé, tiens crève salopard. C'est fou, ça y a quand même une attaque en plein stade quoi. Bizarre hein. Là y'a clairement des gens qui ont fait rentrer des créatures. Hein.
petite cinématique, je vais vous laisser profiter. Non mais tellement badass ce Oren. Hey, casse-toi. Tu fais pas le poids face à moi. C'est le meilleur gardien, Oren. Déjà en vrai, petite potion pour Waka quand même, je dirais. Non ? Si. Petite potion pour Waka. Comment je peux lui finir une potion à Waka ? J'arrive pas. Voilà. Waka, tiens, prends ça. Et toi, cécité. Loupé. Abaisse la force d'un ennemi. Vas-y. Hein. On va l'émousser un petit peu. Nous, on va booster notre puissance de frappe et de défense. Allez-y, mes frères. Je vous encourage. Loupé. Ouais, c'est pas mal. Pas mal efficace quand même cette. Cette cécité. Ah, il loupe tout. Ah, il est dégoûté de Garuda. Moi, c'est moi qui te le regardais. Encore. Ah, il a touché un. Bravo. Ah, il est quasiment mort là. Ow. Mal quand même, hein, vraiment. Allez, dégage. Dégage, mon grand. Tu m'étais pas à ta place dans ce monde. Sphère physique et coudia éclatante. Hey, give me a break. Commence à être critique là quand même. Say more. Il prie, ouais. Ah ah ah. Là, ça invoque une chimère. Là. C'est clairement en train d'invoquer une chimère. Hop, 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 c'est quoi ça? Et voici la chimère. Anima. Elle est tellement badass cette chimère. Elle a annihilé tous les ennemis, mon pote. Easy. Trop facile pour Anima. Les cinématiques elles sont quand même magnifiques. Ça, y a rien à dire. Il y a quand même que ce que ça a été mis en place par lui. Comme par hasard, il est là à ce moment-là. Bien sûr que je veux sauvegarder puisque j'ai gagné la coupe de cristal, mon pote! Trop facile pour nous! La coupe, les gars, la coupe, elle est à nous! On a ramené la coupe à la maison! Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now.
I can't be lying around some bed. Yeah, but... Come on, look sharp! The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? On a la coupe, les gars. On dirait un très très gros plug anal, non? You be good. I can't hear you. Captain. Ouais, soyez bon, surtout je vais vous virer un par un, moi. Je vais me débarrasser de vous. Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I had some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? On va pouvoir avancer dans l'histoire maintenant. Any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon. Ah ouais, elle était épique. Épique, mon gars. Épicité niveau 1000. Hey you, don't just stand there. Et comme on est nous en train de gueuler quoi, comme d'hab. Getting swallowed by sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Xanarkand, everything. I'm telling you, it's all your fault. Et l'autre il se marre quoi. Il est fier de lui. Il est content de sa petite bague de merde quoi. Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Raska, and I... Together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Xanarkand, where I watched over you. So that one day, I could bring you to Spira. Ok, d'accord, donc c'est Auron le lien entre les deux mondes. Jack t'a asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then I felt something object there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. Eh ouais. It can't be. Eh ouais. Premier twist du jeu, il est là. It is. Sin is Jekt. C'est dur à encaisser. No, that's ridiculous. No way. I don't believe you. Pourtant c'est vrai mec. Sin but is it Jekt. Is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no. Every story must have an ending. I don't care about your stories. I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you, I have to! Irritating, I know. Or are you afraid? It's all right.
grosse révélation. Will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Cool. On va récupérer Auron. Bon allez. On va un peu avancer dans l'histoire maintenant. On a bien perdu de temps à jouer au Blitz là. Que d'émotions dans cet épisode. D'abord une rage énorme, puis de la joie. Vous êtes toujours trois viewers. Vous êtes là depuis le début, les gars. Sûr que c'est vous trois. Sûr que c'est vous trois. Ça fait plaisir que vous soyez assidus, les potos. Gonna stay here. Sir Auron knows him, apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. Mais je compte pas partir, moi. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh. Whoa. Oh. Sir Auron. Elle est bien contente de nous voir. Ah non, c'est pour Auron. Oh, salope. Je te jure, les femmes toutes les mêmes. Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse. No, no. We accept, right everyone? Of course, no problem at all. But why? I promised Braska. Le tripoude, je te jure. My father? Le smini boot dans son coin. Thank you, Sir Auron. Un vrai gamin. Welcome to join us. And he comes too. Hi guys. Howdy. This one I promised Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. Ah, ils peuvent pas leur dire. You'll meet eventually. Du moins pour l'instant. Yes, I'm looking forward to it. Ah bah mec, la scène, elle arrive tout de suite. Salut Jojo. Where are we headed? Hey. Mec, cette scène, elle est maintenant. Regarde, t'es prêt? Regarde-moi ça, Jordan. Elle est là, ta scène préférée, mon pote. Elle arrive. T'arrives tout pile. T'es un génie, mon pote. Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. Profite du moment, mec. Profite du moment, Jojo. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling. Ah bah moi, c'est avec mon frangin. Sad, je sais pas quoi. Je vais avoir quoi, 12. Ouais, pareil, 10-12 ans peut-être. I know, it's hard. Avec mon frère, pareil, on était morts, mec. La scène, elle est hyper louche en vrai. Elle est cool, mais elle est louche. I think. Right, now let's see what you can do. Huh? Come on.
de le regard de Oran. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Allez, c'est parti. C'est parti pour le meilleur moment du jeu, presque. Un petit peu quand même. You probably shouldn't laugh anymore. Oh putain. Ah, ça c'est incroyable. C'est Link qui peut rigoler comme ça, mec, ça serait un film de cul. Too funny. Oh ouais, c'était c'est drôle, ouais. Ouais. Ouais, c'est drôle, ouais. Thank you. Et merci à toi, my god. I want my journey to be full of laughter. De Luna ou de Yuna? Parce que la meuf qui rigole, c'est Yuna. If we should get separated. Just whistle. Mais ouais, je vois où tu veux en venir. C'est vrai que quand il rigole, c'est un petit peu en mode ah. Comme ça. C'est pas folichon au niveau du jeu, ouais, c'est clair. Well, let's go. Alors on y va. En tout cas, mec, t'as loupé un moment où j'ai ragé comme un gros porc sur le match de Blitzball juste avant. What are you looking at? Tellement que j'ai rage quit, je suis revenu pour refaire le match. Sorry. Well then, alright. Now, we will go to the temple at Jose. Le temple de Jose. And guardians, don't forget to smile. Le smile. Ah, moi je kiffe le Blitz, mais là, ce match, le premier match, c'est une purge. T'es un goal, mec, c'est le portier de l'OM, quoi. Y'a tout qui passe, quoi. Là maintenant, je vais tracer parce que putain, je vais pouvoir acheter des mecs. Quoi dans le 2? Là, mon gars, tu m'as un petit peu perdu, là. Yes. Yes. Bah nickel. Taf à 7h demain matin, à plus. Ah moi mec, je taf à 5h du mat demain. Bonne nuit mec. FF10-2, ouais, il y a un 2. Bon, il est pas aussi bon que le 10 quoi. Mais je le ferai après en fait. Je finis celui-là et après je le fais. 18 followers, Link le Roi. Ah ouais, c'est vrai que je suis passé à 18, ouais. Mais tout follower numéro 1 en France, ouais. Je laisse ça à Mister MV, mec. Bonne nuit, Jordan. Alors, mec, le numéro 1, ça reste à MV, à vie. À vie. T'es pas encore au pied, toi, frangin? Et t'as... Ah, comme quoi, t'as bien raison, mec, David. C'est... Ouais. FF, ça marche bien, hein. Et quand même, demain, je vais quand même repartir un peu sur CK3, sinon on finira jamais. Maintenant, on va aller chercher un vrai gardien de but, les gars. Là, je vous donne un petit tips pour le Blitzball. Fini ce connard de Kipa, il y a tout qui passe, quoi. Lui, là. Vous voyez ce mec-là, là? Je crois que c'est lui, là. Voilà, Jumal. Les gars, joue mal. Ah, chez le bon petit bud, je suis une bonne petite bière, mais t'as raison, poteau. Et ouais, c'est clair, t'as toujours raison. Je sais. Je devrais quand même plus souvent t'écouter, en fait. Clairement.
Donc là on va faire un petit contrat pour le petit Jumal. Est-ce que j'ai de quoi le payer 5 matchs ou pas? C'est quand même bon, c'est 1000 guilds. J'avoue que c'est 1000 guilds. Mais le mec c'est un gars de but de fou furieux quoi. Voilà. On a récupéré une Jumal. Maintenant ça va être autre chose. On va peut-être faire quand même les niveaux de nos bonhommes parce que... Il y a pas mal à prendre hein. Alors on va se positionner... Non. Ah si 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. J'ai un dé. Booster. Ça c'est bon ça. Mais bravo à toi mec. Bravo à toi. T'inquiète pas. En fin de stream, je te fais de la pub poteau. À nous deux, on va retourner Twitch, mec. À nous deux, ça va le faire. Eh non. Le tien, il est beaucoup plus qualitatif que le mien. Moi, je suis un pur amateur. Mais c'est vrai que j'ai quand même des grosses maloches. Ça, je peux pas le cacher. Alors, c'est quoi ça? Mutamag, ok. Mutamag, nickel, pour les sphères de magie, c'est bon ça. Alors, mon cher petit Oran. Ah ouais, retourner des bonnes darons, ça, y'a rien de mieux au monde en vrai. T'as bien raison, une fois de plus. Les petites gamines, très très peu pour moi, des darons. Coup de vie avec la tente, défense, ouais, bon, ça, on s'en bat un peu les couilles. Allez, on va avancer un petit peu. Et on finira par un match de Blitzball à la fin. Ok, y'a pas mal de Blitz dans cette vidéo, mais bon. Le Blitzball, c'est mon kiff. Et au moins vous pouvez voir à l'action un des meilleurs gradiens du jeu. Franchement, le mec, si vous le montez à fond, il devient excellent. Il coûte un peu cher, parce que 200 guides par match, c'est vrai que c'est pas offert. Mais des fois, il faut savoir payer pour de la qualité. T'es même beaucoup trop sympa, mec. Ta gentillesse te perdra. Mon ami. Mais t'inquiète pas que moi je fais pareil dès que tu live photo. Oh, mon écran s'est fracturé. That one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way, I can take it. Encore un petit combat, en mode de tuto là. Voilà. What the? Ha, la vache, yeah, mec. La vache. Et ça l'encul à sec, easy! Told ya, Sir Aran's the best! I could've done that. En fait, je crois que c'est parce qu'il a, la capacité percée sur son arme. Moi, je perce autre chose. Mais bon. Chacun perce ce qu'il veut, hein. Les gens sont libres, après tout. En tout cas, demain, en off, je me ferai une bonne séance de farm là pour un peu avoir de la thune. Some old city. Brecht, a city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time. C'est Jamie Gourmand. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Julien le perce. Julien lui perce tout. Matron, Scot, Julien il perce l'espace et le temps. I am on a journey, studying the history le seul homme of capable world, de percer le quatrième mur, c'est Julien le perce. Stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. Yes. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. C'est bon, il a fini le vioque là. Fight!
Ok, ok, ok. Ha! Oh yeah! Oh yeah! Ça one shot. On change, on va mettre Auron. Le tue pas, hein. Voilà, bien joué. Kimari. Tu veux faire tourner l'effectif, hein, sur la... Peut-être pas tous les combats, mais la plupart des combats, il faut faire tourner l'équipe. Pour que tout le monde prenne de l'XP, c'est très important. Sinon d'autres vont se détacher du groupe et après, en fait, vous allez jouer qu'avec les mêmes bonhommes. Et c'est pas le but du jeu, en vrai. Allez, brûle en enfer. Lolo. La petite pause aguicheuse à chaque fin de combat. Celle-là, elle en veut. Celle-là, elle a faim. Elle a faim. Très faim même. Comme dirait JDG, elle a la garonne en cru. Elle a la rosée qui perle. Oh. Vas-y, dégage. Connard. Par contre, là, on a pas le choix que de l'enculer, quoi. Oh, le bâtard. Ah, le petit saligo, je te jure. Tiens, prends un coup de nounours. Ah, salopard, il a évité. Pam, 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 pam. Go. Go. Mais quelle puissance. Est-ce que Waka, il va l'enculer? Il y a moyen, en fait. Bring it on. Il y a moyen qu'il l'encule. Rizzo. Ah, putain, il l'encule. Mais laisse le fêter, il est content, il a raison. Oh, j'ai vu un truc intéressant, c'est quoi ça? Le Sphéromog attaque Réminifor. Attaque Réminifor. Est-ce que ça me file des gemmes de force? Y'a moyen. Y'a moyen. Bientôt il y aura une petite auberge, à l'auberge on fera notre sphère. Pour l'instant on va avancer encore un petit peu. Je vais pas non plus tarder non plus, je vais pas non plus rester jusqu'à minuit je pense, un petit peu avant je vais arrêter. Ouais c'est quoi ça? The fuck. Prends ça bâtard. Ouais on va le rendre aveugle. Ça va le calmer, clairement que ça va calmer. Vas-y prends ça bâtard. La suite dans sa gueule. On va changer de bonhomme, on va envoyer Kimari Ronzo. On va envoyer Smil. Make way. 5 viewers, ça fait plaisir. Ça fait plaisir messieurs dames. Parlez entre vous dans le chat. Animez-moi ce live à ma place. Tu veux pas crever toi? Oh petit bâtard. Ça résiste, hein? Crève! Chien! Goûte à ma lance! Sphère comp, yes! Donc c'est ces chimères là qui nous lâchent des sphères comp. C'est bon ça? Des chocobo! Lady Summoner, I presume. Yes. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. Yes. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on essaye de monter les overdrives de nos chimères. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée ça. Prochain combat, on envoie les chimères, on monte leur overdrive. Let's go get him. Why? It's the thing to do. Pour la gloire, mec. Pour la gloire et pour le loot.
What'd they say now? Jecht said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Allez, c'est parti, let's go, my friend. Ah, attendez, attendez. Elle là-bas, c'est un combat de chimère. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien, c'est un combat de chimère ici. Ah, a summoner party. Yes. You too are a summoner. My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. Et moi, c'est Gertrude. The high summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Let us see which are stronger, my aeons or yours. A one-on-one match. Not to the death, of course. Mais pourquoi pas? What do you say? Petit combat à mort comme ça dans la boue, là. Ouais, dans la boue, ouais. Ouais. I'll do my best. Good. Before we begin, your aeons have been healed. Putain. You can fight with your full strength. Elle est fair play. Come. Elle est fair play, la belle gamine. Ifrit. Vous savez quoi, ça va être Ifrit versus Ifrit, c'est ça? Moi, je peux invoquer une autre, non? Pas le fort. Bah oui. J'ai l'ultime. Je vais t'annuler, moi, grognasse. Tu vas voir. En vrai, mon ultime, peut-être que je le garde pour le futur boss, non? Non, en vrai, j'ai pas envie de perdre. Je vais le défoncer, ton effet, toi, tu vas voir. Cache. Cache. Hurlement. Goûte à mon Kourou, Ifrit. Je l'ai pas annulé là, sérieux. Je sais que des chimères augmentent avec celle de leur invoqueur. Le même Ifrit est plus ou moins puissant en fonction de la personne qui l'invoque. Ici la force et les HP d'Ifrit sont très élevés. Le combat au coup par coup vous mènera à la défaite. Apprenez plutôt à vous servir des commandes garde et stock. Garde empêche le jeu de vrai de se remplir, mais les dégâts reçus sont moindres. Stock augmente les dégâts reçus, mais pour un jour, je mets le jeu de vrai sur le pied plus rapidement. Ouf! Utilisez garde pour tresser et sur le point de lancer des attaques puissantes. Ici, il fait tout ça, accessiblement attaquer et magma. Pour le tour, il va utiliser magma. Mieux vaut donc vous poser à l'aide de la commande garde. Ok, d'accord. J'ai pas pu le faire parce que j'étais en attaque. H2O, hein. Donc là il faut se mettre en garde, c'est ça? En vrai on prend quand même pas mal cher en vrai. En plus j'ai plus de soins. Ah on a pris tellement cher sur le magma en fait, on a tenu à attendre un tour en plus en fait. Bonne soirée my boy, à samedi, clairement à samedi frangin, ça va être le feu. Aïe aïe aïe, je suis pas sûr qu'on va résister à une attaque. Ça, bâtard! Oui! On l'a esquivé! En vrai, est-ce qu'il peut rester à 2 overdrive? En vrai, ça serait cheaté! Après, peut-être que le but c'est qu'on perde, je ne sais pas, hein, en vrai. On l'a annihilé, voilà! Boom, bitch, my friend! Easy money. That is enough. Bien joué Valfort.
odd for one so young. Iron, take this. You've earned it. Back, Echo. Thank you, mec. Enfin, mec. With more training, on a compris. Thank you. But I think you might defeat Sin before I'm able to. Je sens que Mako est en train de me lâcher un petit peu là. J'espère que ça va quand même être quand même, c'est quand même assez fluide pour vous en vrai. N'hésitez pas à me dire si ça lag, que je baisserai un petit peu la qualité. Parce que j'ai vraiment une cour qui est pas ouf, mais. On fait avec les moyens du bord, les gars. Et les girls. Enfin, je veux dire, les poteaux et les potesses. Un petit fail comme ça. Y'a pas de soucis, mon frangin. Hashtag enfoiré, Tintin. J'ai pas envie de prendre des attaques de glace là. On va tout de suite annihiler l'élémentaire. Allez, ça dégage. Ah ouais. Ah ouais. Rapide pour nous, t'as Lulu, elle a tout esquivé mon gars. Lulu, elle est on fire dans ce match. Let me help. Sûr que tu peux aider. Tape lui là. Allez, tue-le celui-là. Elle l'avait pas tué. Enfin, Waka, il va pouvoir l'achever tranquillement. Waka, on a sur le terrain, my god. Allez, dégage. Wouha. Et Smin vient et il finit le travail. Game over. Told ya. It's too easy for me. Putain là mon gars, des sphères ça tombe. Boop, boop. Par ici un petit remède, je suis preneur. My lady summoner. On se fait hâter tous les 20 mètres. You're a summoner? Et toi t'es une petite yes. conne. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. En tout cas, on va essayer quoi, ma grande. Yay! We're looking forward to another calm, my lady summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Les mecs, ils sont gênés quoi. Lulu, elle s'en bat les couilles et Kimari, lui, il est perdu dans ses putains de pensées. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. Eh, des fois, vous m'avez marqué qu'un petit temps de paix que être toujours en guerre, quoi. Don't say it isn't worth it. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait toujours à la vie. Yuna, c'est quand même vachement louche, well. On va pas se cacher. Donc je suis attaqué par le poteau. Bon, pas que c'est dur des plombs, on va quand même décamper de ce combat. Ciao les poteaux. Moi j'ai encore envie de jouer au Blitz. On est un enculé en vrai. Pourquoi t'as fait ça? C'était ma balle. Et alors? Rien à foutre moi.
This is my yard now. Merci pour la bague. J'ai l'avantage. Ah bah vas-y, on finit le combat vite fait. Hop. On appelle Oran. On finit celui-là. Sans vous inquiétez pas, hors caméra, je vais farmer comme un gros porc. On va devenir hyper badass et combat, ça va avancer plus vite. Surtout refaire le plein de... Ah, des sphères quoi, sphères d'habité, sphères de force, toutes les sphères quoi. Un bon gros plein de sphères comme ça. Mais laisse-moi quitter la zone, bordel! C'est pas vrai ça! Bon, on peut pas être en paix quoi, c'est une dinguerie, je te jure. On va appeler Waka. You called? It's over. La situation, je t'appelle avec, sinon tu serais pas là. I'm good, yeah? Même plus que ça, mec, t'es au-dessus, c'est le soleil. Y'a quoi par ici? Rien en fait. Ah si, un combat quoi. Un combat, y'a. Oh putain, ils sont dormis. Ah vas-y, on décampe, c'est bon. On se casse. I'll be right back. Là, assez de combat là. Là, il faut avancer un petit peu. Pas rusher, mais on va quand même avancer quoi. Jusqu'à l'auberge. À moins qu'il y ait une auberge au fond. D'abord, faire un petit match de blitz. Ça aurait été un live avec beaucoup de blitzball. Mais c'est mon kiff. C'est mon kiff, attendez-vous à avoir pas mal de blitz hein, quand même. Il y aura au moins un match par live. Je pense pour à la fin du live, pour discuter tranquillement, enfin au fin du blitz. J'arrête de bégayer, ça serait pas mal aussi. Ah, une chimera, ça serait quand même bien que je reste quoi. Au pire, je peux la détruire avec Yuna. Déjà avec Nash, j'ai déjà quand même soigné au moins Smith, parce que Smith il est au portique de la mort là. Debout! Je vais les débousser un peu. You will hurt no one. Ouais, ça peut être pas mal ce monstre pour. Pour booster nos chimères. En gros, c'est pour remonter leur, voilà, leur overdrive. Allez, Fritz. On se pose sur son épaule, c'est hyper classe. Please lend us your strength. Oh ça bâtard! Putain le crit! Et voilà! Overdrive chargé! Prends ça dans ta gueule! Si on crit, il est mort! On a crité! Par ici 2000 guilds. Le recrutement de Jumal a été remboursé les gars. Stop les combats bordel. Laissez-moi avancer, je vous en supplie les frangins. C'est pas que je vous aime pas, mais je suis un petit peu pressé. Je veux jouer au blitzball encore un petit peu. Vous montrer la différence entre Jumal et Kippa.
allez être sur le cul, les gars. Oh, un bonbon. Don't break any bones, old man. Un bonbon, mais au revoir. Live and let live. Bon, je crois qu'on paye pas. Hein. Il y a ce point FF, je crois que pour partir, il faut mettre la main à la patte. Hein. T'as dit, ça me gratte le crâne, hein, je reviens. Excellent. Curtinus. Fatinus, putain, il faut que je l'appelle, c'est Smil maintenant. Oh là là. Laisse-moi partir. Hey, we saw the game. You guys were great. Congratulations. On a win, mon pote. Donc ouais, on a été bon. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Vous êtes encore trois, quasiment minuit. Vous êtes des fous, les gars. Vous êtes des malades. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu. Sir Gada, but you know, it's not too late for you to go back to Besaid and. We should be going, sir. Je pense quand même qu'il prépare ses manicières, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils me disent ouais, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan. Soit on verra ça bientôt. Hein. Sachant qu'on va se faire arrêter par la meuf là-bas aussi. Un petit combat entre temps. Ça m'étonne, tiens. En fait, pas du tout. Absolument pas choqué, les gars. Elle va nous arrêter, je le sens. En fait, non. We'll defeat Sin any way we can. Eh ben, si. But Yevon's teachings say. Enough. I only meant to. Are you all right? Mais putain, mais arrêtez pour parler là. Yes, I am. Il y a l'heure qui tourne. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? I heard they were to use forbidden machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But... You don't oh understand. Diable, Yevon! The Crusaders won't even listen to me, and it's all because I'm just a lowly acolyte. C'est vrai. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes, yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now I feel I have the courage to finish my training. Je peux y aller? Mais putain! C'est incroyable! Laissez-moi deux secondes! Live and let live!
Tirez-vous, bordel! Tirez-vous tous! Ah, collier. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. L'auberge. Oui! L'auberge! But this isn't our bed shop. Is that a problem? They don't believe in Yevon. And in Luca, they kidnapped Yuna. Where were her guardians? Oh. Bam! Là, il les a enculés. Sir Oren's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Well, comme il se la pète que... Ah, moi je suis pas fatigué mon frère, tu crois quoi? Tu crois que je suis mort moi ou quoi? Ah, en plus ici on peut recruter un excellent défenseur les gars. Un Albed d'ailleurs. Il est juste là, avec son bonnet bleu. Mais pas toi, je m'en fous, je parle à lui là. Mais casse-toi! Bon, je vais vendre déjà, je vais vendre des objets qui ne servent à rien. Celui-là, je garde. Celui-là, je le vends. Oui, je veux le vendre. Allez, ça dégage. Toi aussi, je le vends. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je vais le vendre. Bah ça, j'en ai deux, donc autant le vendre. Bac déco. Oh! Mais c'est excellent, ça! Ça aussi, je garde. Parce que ça peut être utile sur un boss qui fait du feu, quoi. Ça, je vends. Alors, glaive. Non. Bâton enchanté. Non. Balle de cuir, c'est bon, je l'ai déjà. Morganzello, non, non. Un kagero. Ah, un kagero je prends, hein, par contre. Hein. Kagero, je vais te prendre directement. Et le filiac Aaron. Coudière nacré, ça on va garder. Poignée nacré. Bah, c'est mieux que rien en vrai. Autant le prendre. Donc, non, je peux vendre le taki et le poignet. Ok. Je peux pas parler à Lop. Enfin, je pense que là, il faut peut-être dormir une nuit et après on pourra le prendre. En tout cas, on va sauvegarder déjà. Et on va jouer au Blitz Ball. Et on finira sur ce match de Blitz. Si on va essayer de jouer un peu plus fair quand même que la finale. Hein. Parce que Lop, c'est un super défenseur, les mecs. Il n'y a pas de tournoi en cours pour l'instant. On va faire la coupe de la ligue. Tour 1, on affronte les Ronso Fangs. Alors attaquant Smil, Dato, Letty, Jazu, Bota et la Rebe. Rebe, Kipa. Arrêt 5. Jumal, arrêt 14. C'est de la folie. Avec lui les gars. Mais le match contre les Lugagorge, on le gagnait easy. Easy. Franchement, c'était facile à faire. Letty, est-ce qu'il y a une compétence, lui, déjà? Ah, passe Venom. On lui met ça direct. Passe Venom, nickel. Jazu, pas encore. Bouton non plus, toi non plus. Ok. Donc, lui, Smil, il va partir sur... Anti-carnage. À Grey. Ouais, non, si on se fait un petit peu. On va mettre sur Irga, Dato. Et il peut prendre le tir vrillé de Basic. On le met dessus. Letty, il peut apprendre le anti-carnage de Argay. Jazu. Jazu, on va le mettre sur. Sur Argay. Et Bota sur Basic. J'espère que j'ai pas fait de la merde. On verra ça. D'ailleurs que en fait les Ronzo ils ont une masse d'HP quoi.
D'ailleurs, Orly, j'ai peut-être allé chercher le Runzo que je vous avais parlé avant dans la vidéo. Faire une passe classique. On va l'envoyer à Datto directement. Prends ça, Datto! Elle a 12 d'attaque. Fatch. Putain, les défenseuses 12. Voilà, 12 en vrai. Elle peut se louper hein. On sait jamais. Elle s'est loupée. Bon, le gardien a plus d'arrêt que nous. On va te frapper. Mais qui sait? Qui sait peut-être? Allez. Non, la parade. La parade de Zamzi. Il joue directement sur Argay. Argay qui a 10 en tir. Ouais, ils sont. Voilà, les rondes sont vraiment lents. Mais matez-moi ça. 35 315, il avait 16. Jazou, il a fait attaque de fou. Jazou, mon gars, tu m'as tué là. T'as tué le game carrément. Voilà, bien joué ça. Letty qui déborde. Smil tout seul devant. Smil qui récupère. C'est moi qui a peut-être sur un jet shout. Il y a New Bay devant lui. Ça part sur un jet shout. Jet shout. On se débarrasse de New Bay. Alors, vous allez voir que en fait, le jet shout il est hyper cheaté en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça fait un 0 pour les Bezaï d'Orak. Quelle passe fantastique de la part de Letty qui trouve Smil à l'intérieur, magnifique. Gaznat attrape la balle. Regarde, il a 20 de défense. Le gars, tu le cherches pas quoi. En vrai, si on est par 1 sur lui, c'est mort. Hein. Ils ont un max d'HP aussi, c'est. Ils peuvent faire tellement d'actions. Ah là ah, ça va être chaud. De Jazou, mais qu'est-ce qu'il nous met? Putain, Jazou, c'est bon ça. Il est chaud le Jazou. Basique, ça s'interpose. Moi, je m'en bats les couilles. Basique, je le passe. Moi, basique, je le passe. Facile. Smil est démarqué. Ça passe! Ça passe! On va tenter de déborder Ygra et on va tirer! Ouh! Elle nous a fait une baguérale la salope! Pareil, regardez, 14 de défense pour une défenseuse! C'est ouf! Ah, c'était pas ouf là, le tacle! Alors, après, Smil, c'est pas un tacleur! C'est pas un tacleur, ça c'est sûr! Ça rentre dans l'art. Sans Jazou qui fait une défense impeccable. Et Irga qui peut tenter la passe sur Argay. La passe sur Argay qui passe aisément. Argay qui se fait piéger là. Par Letty et par Jazou, le tacleur fou. Attention, quel tacle fait Jazou. Letty. Letty qui récupère le ballon, magnifique. Letty qui va tenter de. Il va même pas tenter. Il fait une passe tout de suite. Une passe classique. Il va chercher Datto qui est tout seul au centre là. Ça passe. Datto qui va tenter le shoot. Il va déborder Nubay et tirer. En vrai sur un. Putain salope. Sur un coup de malchance du gardien, ça aurait pu passer hein. Trois joueurs. Elle veut tacler les 3 joueurs. Ah putain, il a laissé à 3. Oh mais Matt. Non mais les gars. Ah les attaquants c'était vraiment des tacles de merde à l'époque. Sérieux. Argay qui récupère le ballon. Pas de forcing. Il fait une passe pour Basic. Basic qui joue le ballon tranquillement.
C'est que Botha, après, on l'a pas beaucoup vu, il va pas prendre beaucoup de points. Jamais tout le stade à tout, jamais. Arrête. Basique s'approche du but là. Attention. Attaque pas très très foufou de la porte de Botha. Je suis pas dispo dragon. Et ça tire. Regardez ça. Juman arrive 14. Jamais ça passe mon pote. Merde, il fallait que j'appuie sur A. J'oubliais, on a peut-être pu assimiler un tir vrillé pour notre ami Datto. J'oubliais d'appuyer sur A. Aïe. On part avec la même team. De toute façon, le Jet Chao qui nous fait gagner le match. Hein. Faudra essayer de passer plus souvent sur, sur Botha pour qu'il prenne des points quand même. Gazna qui attrape le ballon. Gazna qui prend la barre. Ah mais le mec il peut nous passer tous les trois facile quoi. Ah Letty qui fait le tac normal. Smil pareil. Datto à toi. Et lui il fait que 1. Il tire. Mais c'est un malade. C'est tombé un fou. Et Jumal tranquillement qui fait la parade. Et c'est pour Datto. Datto qui contrôle tranquillement le ballon. Datto qui va essayer de déborder Gazna. Il tire une passe. Tac, carnage. Attention. Ça passe, mais Datto qui perd sa moitié en tir. Ah, coup dur pour le joueur chauve. Aïe, c'est un coup dur, je peux vous le dire. Botha, tranquille. Botha qui est tranquille dans son coin là. Ah, Basique qui pourrait lui prendre la balle. Mais pas de forcing de la part de Botha. Pas prendre de risque, il a pas la passe à Datto qui est juste devant lui. Bon, ça devrait passer. Et ça passe. Léger, mais ça passe. Ça va jouer sur Jazou de la part de Datto. Ça passe, ça ne passe pas. Aïe. Quelle erreur du joueur des Bandits de Rock. Ah, Jazou qui fait un petit peu moins bien que ce qu'il a fait la dernière fois. Et Gazna qui peut tranquillement s'avancer vers le milieu du terrain. Ah, il est quasiment devant le but là. Trois joueurs. Ah, Botha, c'est pas foufou hein. Jazou. Putain, 14 pour 10 et ça passe. Quel tacle de la part. Mais quel tacle. On va tenter de déborder Gazna. Et après il fera une passe. Ça a réussi, il va essayer de trouver Schmil. Schmil qui est démarqué. Et ça passe. Schmil qui va tenter de foncer. Faire un tout droit. Faire un putain de tout droit. Elles sont deux. Est-ce qu'il aurait assez pour faire un jet shout? Bien sûr, il a de quoi faire. Jet shout. C'est cheaté à mort ce truc, mais c'est le feu de Dieu. Et ça va partir sur un 2-0. Sur un doublé d'attaquant vedette, Smil. 2-0 mes frères. Gazna. Mais comme quoi, enfin franchement, même juste un gardien en plus. Après les rondes, c'est pas la meilleure team, j'avoue. Mais un gardien, c'est vraiment déjà une sûreté. Parce que là on sait qu'au moins s'il tire, il n'y a pas automatiquement but quoi. Et après on a Jazou qui est en feu. Parce que putain merde.
Ah mais il va la prendre. Jazu va la prendre, c'est sûr. Eh oui, Jazu qui est vraiment on fire. C'est moi qui vous le dis. Il va tenter une passe. Datto. Oh non, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Je suis sur un petit coup fourré. Ça pouvait passer. Si le goal il se loupe, en vrai, y a moyen qu'il marque. Hein. Allez, Datto. But. But. Golasso. 3-0. Oh là, Valère Germain du baseball qui marque un but, c'est incroyable. C'est le feu dans les tribunes. Jamais on lui prend la balle. J'annonce, jamais on lui prend la balle. Y'a que Jazu pour faire ça. La passe pour Basic. Ah, attendez, si il retire, on tente le tir vrillé. On tente l'assimilation là. Je crois qu'il faut appuyer sur A ou sur X. Je sais plus. Tire. Putain, c'est quoi déjà? Je sais plus. Le poteau. Le poteau, et c'est pour Jazu. Jazu qui est bien. Jazu. Il a vu. Il a vu Datto. Il a vu Valère Germain là-bas au fond. C'est pour toi, poteau, vas-y, fonce! Fonce, gamin! Vas-y! Non! Fin du match! Et ça fait. Et 1, et 2, et 3, 0. Et donc, l'éthique a pris 0 points dans ce match. Fuck it! T'as Jumal, niveau 3. Et Jazu, niveau 4. Tu peux apprendre une technique. Yes! Donc Smith qui augmente sa frappe et ses PV. Datto qui augmente sa frappe, ses PV et sa vitesse. Jazu qui augmente donc sa passe, son interception et sa résistance. Bota juste sa vie, Jumal sa vie. Enfin donc là c'est son énergie, c'est ça que je veux dire. Donc les Albert qui battent les Guano Glories 2-0 au but de Edgar et Blappa. 3-0 pour les batailles de Aurora, Smith, Datto. Et Luca Gorge qui perd face au Killika Best. Yes, grosse défaite de la part des Luca Gorge. Bien joué les Killika Best, 3-2. Quelle victoire. En tête les Bedaid Aurak. Bien buteur Larbite et Smil pour l'instant. Non, on va arrêter de jouer au Blitz. Et surtout, on va arrêter tout court. On va arrêter tout court de jouer aujourd'hui. Donc les amis, les potos et potes, j'espère que cela vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, on a eu un moment de rage avec la défaite. Et après on a essayé de recommencer le match et là, que du bonheur, que du plaisir. Pas mal d'activités dans le chat ce soir, ça fait hyper plaisir. Et donc pensez à me follow si cela vous a plu, hein. ça fera vraiment, vraiment plaisir que vous deveniez des vrais potos, des vrais potesses. Oh, sinon, j'ai mon partenaire sur Twitch de ma chaîne YouTube, Link le Roi. Link le Roi, sa chaîne est dans ma description, elle est dans ma bio. Allez le voir, allez le follow. Faites-vous plaisir, c'est de la grosse qualité de son côté. Sinon, on a une chaîne YouTube, comme j'ai dit, Link et Schumlik. Pareil, le lien est dans la description. Page Facebook, dans la description. Venez nombreux nous soutenir. Et sur ce, les potos et les potesses, il est quasiment minuit. Et donc je vais vous dire bonne nuit à tous les gars. Ciao!